Bonjour mes belles lumières, c'est Christine. J'espère que vous allez bien pendant ce mois d'août, que vous passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. J'espère qu'il fait beau temps. Bon là en ce moment chez nous, là dans le sud, il fait très très chaud. Aussi chaud la nuit que le jour d'ailleurs, donc c'est difficile pour dormir. Mais on va pas se plaindre parce que quelques semaines avant, on disait qu'on n'avait pas assez chaud, que c'était pas un véritable été. Voilà, donc profitons de ce que la nature nous donne. Et profitons ensemble également de découvrir ce nouveau jeu que je veux vous présenter. Alors ce jeu, c'est un jeu auto-édité qui a été créé par Mélodie. Mélodie qui est une jeune créatrice, hein, puisqu'elle a moins de 25 ans. C'est un très beau jeu que vous allez pouvoir utiliser en développement personnel, bien entendu. Hein, ça va être des petites cartes intuitives que vous allez tirer comme ça, de façon intuitive, justement, c'est le cas de le dire. Peut-être pour la carte du jour ou la carte du moment, la carte qui va répondre aux émotions que vous êtes en train de vivre. Voilà, ça peut être pour plein de choses. Vous allez voir, il est très très beau, très coloré. Et vous savez que moi, j'affectionne tout particulièrement les jeux qui sont auto-édités. Donc là, vous avez la carte de Mélodie, voyez, avec toutes ces adresses. Évidemment, je vous remettrai ces liens dans la barre d'infos sous la vidéo, mais vous pouvez d'ores et déjà les noter si vous le souhaitez. Donc, la caverne de Mélodie, c'est une créatrice d'oracle, de dessins, de peintures, de pyrogravures. Elle fait également des dessous de verre et de plats, évidemment, avec des géométries sacrées, tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Elle fait également des logos si vous avez besoin de faire votre logo, si vous avez besoin de faire représenter votre entreprise. Elle le dessine également, les logos. Voilà. Donc, une très belle personne et un très beau jeu qu'on va découvrir ensemble. Alors, il vous est livré dans ce petit pochon aussi coloré que les cartes, et d'ailleurs j'aime beaucoup, voyez. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, il y a 42 cartes. Jeu auto-édité, je le rappelle, ça c'est très très important. Donc on est sur un fini brillant comme vous pouvez le voir, puisque vous avez la lumière. Très bonne qualité de cartes, franchement, moi j'apprécie vraiment cette qualité de cartes. Au niveau du brassage, absolument rien à dire, regardez. Ça glisse tout seul, ça n'accroche pas, il n'y a pas de tranche sur les côtés, on est sur de la tranche naturelle. Voilà donc le dos des cartes, il s'agit de l'oracle « Les messages de la métamorphose ». Donc ils vont vous aider sur votre cheminement personnel, sur votre cheminement spirituel. Voilà, et les cartes sont ici, on va les découvrir ensemble, vous allez voir, il n'y a pas de petit livret. Vous avez juste eh bien, les cartes avec le petit message en dessous de la carte pour vous aider. Alors, je vais vous grossir. Voilà. Je vous ai déjà parlé de la qualité. Je vous montre quand même. Alors, en grammage, je ne suis pas une spécialiste, mais je vous dirai quand même que c'est un très bon grammage. Voilà. Allez, on découvre les cartes et on va à la fin se tirer une carte pour avoir nos énergies de la journée, pourquoi pas. Comme ça, vous verrez un petit peu comment vous parle cet oracle. Donc, regardez, très très coloré. Ça donne envie de se plonger dans toute cette floraison de couleurs. Cette foison de couleurs. Je ne sais pas, j'ai dit floraison, c'est le terme qui m'est venu. En même temps, quand il y a de la floraison, que les fleurs s'épanouissent, et que vous avez des champs de fleurs, et bien vous avez toutes ces couleurs qui se mélangent. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que j'ai employé ce mot, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Et vous voyez, le dos est à l'identique. Donc voilà, chaque carte est... Alors, je me suis amusée, premier jour que je l'ai reçue, à les mélanger et à tirer une carte. Et bien écoutez, la carte répondait pile poil à l'émotion du moment que j'étais en train de vivre, puisque j'ai appris une très mauvaise nouvelle cette semaine. C'est pour ça que je suis un petit peu plus... Alors déjà, je suis en vacances, et puis en plus, je suis absente à cause de ça. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, donc, et c'est vrai que la carte que j'ai tirée a répondu, mais vraiment très très bien à l'émotion du moment que j'étais en train de vivre. Voyez, regardez ce trèfle comme il est magnifique. Les dessins sont simples, mais très inspirants.
Là, avec la montgolfière, bon, me supposer, bon, laisse partir et s'envoler tout sentiment de culpabilité, cesse cela, tu n'en as aucunement besoin. On n'aurait pas lu le texte, on aurait pu effectivement l'interpréter. Avec la montgolfière qui s'élève dans le ciel, on laisse s'envoler ce dont on n'a plus besoin, on laisse partir, on s'allège de poids. Et puis la montgolfière, c'est ça aussi ce que ça représente, hein, puisque la montgolfière, pour qu'elle puisse s'élever dans le ciel, il faut la délester de tout le poids. Hein, donc pensez toujours, quand vous regardez des images, à la symbolique de l'image. Hein, et vous allez vite comprendre le sens du message qui vous est transmis, et même parfois sans lire la phrase. Là, on est sur un flocon de neige. Donc le flocon de neige, c'est la glace, c'est gelé. Donc si c'est gelé, c'est bloqué forcément, vous voyez. Donc vous avez vraiment... C'est pour ça que je dis qu'il est très inspirant, parce que les images sont simples, mais d'une limpidité et d'une clarté vraiment très facile d'utilisation. Vraiment, avec ce jeu, vous allez l'adopter, je pense. Vous allez pouvoir vous tirer une petite carte tous les jours qui va pouvoir vous aider. Vous pouvez évidemment tirer pour les autres personnes. Hein. Voilà, puis en plus, quand vous le savez, il s'agit de jeux auto-édités. Moi, je suis fan. D'ailleurs, je remercie bien entendu Mélodie qui me fait confiance pour vous présenter ce jeu, hein, puisque c'est elle qui est venue à moi pour que je vous le présente. D'abord, savoir si je l'aimais, hein, puisque je ne vous présente jamais quelque chose que je n'aime pas, vous le savez. Mais après, c'est mes propres opinions, mes propres goûts, hein, c'est certain, ça peut ne pas plaire à tout le monde. En tout cas, moi, celui-ci, si je vous le présente, c'est parce qu'il me plaît. Et donc, voilà, je remercie Mélodie de sa confiance. Un banc pour se reposer, se relaxer, se retirer un petit peu du tumulte de la vie. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, de quoi se laisser inspirer par cet oracle. Je rappelle, 42 cartes. Là, on a la Renaissance avec le phénix. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas besoin des fois d'en faire des tonnes en symbolique pour pouvoir se faire comprendre. Alors, je mélange, je vous tire une carte et on regarde les énergies du jour. Donc, voyez qu'en même temps, pendant que je mélange, eh bien, ça glisse tout seul et il y en a une qui s'échappe. Eh bien, on va dire que c'est notre message du jour et on va le découvrir ensemble. Recoucou mes lumières, avant de vous tirer la carte que j'ai déjà tirée, mais je fais ce petit rajout de vidéo pour une info très importante que vous devez connaître et que je ne vous ai pas dit en début de vidéo. Donc ce jeu sera disponible début 2022 et pour l'instant le projet est en cours sur litchi.com. Je vous mettrai également le lien en bas si vous le souhaitez, vous pourrez aller le consulter, vous pourrez aller surtout participer pour aider cette créatrice à ce qu'elle puisse auto-éditer ce jeu qui sortira donc début d'année 2022. Voilà, je pensais que c'était très important que vous le sachiez. C'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo que j'incrémente au milieu. Donc c'est pour ça que vous allez trouver qu'il n'y a pas trop de lien entre juste avant et juste après. Mais c'est pas grave, on reprend le cours de la vidéo. Donc c'est le moment où je vous tire votre petite carte et votre petit message du jour. Et nous avons une surprise, un cadeau arrive vers toi, que ce soit de nature terrestre ou céleste. Accueille-le à bras ouverts, faisant bon usage. Donc une surprise qui vous attend, un cadeau qui est inattendu, qui vous arrive, quelque chose dont vous n'attendiez pas, c'est le cas de le dire quand c'est inattendu, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose qui faudra accueillir. Ça peut être quelque chose de matériel ou pas, hein, voilà. Ça peut être quelque chose de très subtil aussi.
Voilà le message avec le message de cet oracle. Donc je rappelle, il s'agit, je vais les mettre à l'endroit, ça sera mieux. C'est les messages de la métamorphose qui est un oracle auto-édité de Mélodie. Et vous pouvez retrouver toutes les créations sur la caverne de Mélodie. Donc voici les coordonnées. Voilà, et le petit bouchon tout coloré. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Une très très belle création. Merci à Mélodie de nous offrir ce merveilleux oracle que je trouve très très beau pour ma part. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation ou une guidance et je vous souhaite encore de très très belles vacances. Je vous embrasse, bisous, prenez soin de vous, surtout prenez grand soin de vous. À bientôt.